Bonjour, reportage aujourd'hui en Allemagne à Radevormwald, ville jumelée avec Châteaubriant. Radevormwald est située dans la région de Cologne. Elle compte 23 000 habitants, une ville où l'on fête Noël pendant 3 jours. Alors, on a 3 possibilités. Le 24, avec les parents. Oui. Premier Noël, après alors Noël cette année, avec les grands-parents, et le jour, deuxième jour, avec les grands-parents d'autre côté. Alors, deux fois grands-parents, une fois les parents. Alors, 3 fois, des cadeaux pour les enfants. Wir haben mega Spaß und niemand verpasst was, denn alle sind dabei und alle sind bereit. Petit arrêt maintenant à la boulangerie où les Allemands ont pris l'habitude de faire la pause café tout en consommant une viennoiserie. Tous les pâtes avec du sucre, comme on dit, au beurre, des œufs, die ganzen des œufs, Frühstücks. Bei uns nennt man das Frühstücksartikel. Ja, so wir auch schon Art Brioche. Also in dem Bereich sind wir auch stark. Des gâteaux sablés. Sablés sucrés. Des gâteaux. Comme la brioche. Ouais, comme la brioche. Et la viennoiserie, on fait comme en France, pour beurre, mais aussi sans améliorant. Avec la même pâte, on fait tous les viennoiseries typiquement allemandes, ça c'est les petits pains au raisin. Ça c'est un truc allemand. On donne des mots comme c'était pour des Allemands. Un baguette parisienne. Un parisienne, c'est pour un Allemand, c'est clair. Et on prend les. On prend, oui, mais on ne peut pas dire qu'il y a un pain en céréales. Ça, on ne peut pas dire. Alors on prend des noms qui sont français pour des produits français. Des produits italiens, un ciabatta, on dit ciabatta. Mais on ne dit pas des mots compliqués. Weihnachtsmann, warst du endlich da? Wir danken dir, das Weihnachtsfest ist einfach wunderbar. Es war wunderbar. Wir danken dir, das Weihnachtsfest ist einfach wunderbar.